vient d'apprendre le décès de l'écrivain chilien Luis Sepúlveda. L'auteur âgé de 70 ans se battait contre le Covid-19 depuis le 29 février dernier. Il a finalement perdu son combat ce 16 avril à Oviedo, en Espagne où il avait été hospitalisé. 1000 vies en une, pourrait-on dire pour résumer l'existence de Luis Sepúlveda, l'une des voix les plus marquantes de la littérature sud-américaine. Né le 4 octobre 1949 à Oval, au nord de la capitale chilienne Santiago. L'auteur de l'histoire d'une baleine blanche avait contracté, tout comme son épouse, le virus au mois de février lors d'un déplacement pour un festival littéraire au Portugal. C'est sa maison d'édition espagnole qui a communiqué la triste nouvelle, l'écrivain Luis Sepúlveda est mort à Oviedo. L'équipe de Tusca Editor regrette profondément sa perte, ont-ils annoncé par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Très attristé, le président de la région des Asturies où l'auteur s'était installé a indiqué sur Twitter, le personnel soignant a tout fait pour lui sauver la vie mais il n'a pas surmonté la maladie. Mes plus sincères condoléances à sa femme et à sa famille. Une vie de combat. Dès son plus jeune âge, Luis Sepúlveda avait choisi de combattre les injustices. Engagé dans les jeunesses communistes, il est arrêté au temps de la redoutable dictature de Augusto Pinochet en 1973. Après 2 ans et demi enfermé dans les geôles du régime, il est accusé de trahison de la patrie, conspiration subversive et appartenance aux groupes armés. Il est condamné à purger 28 années de prison, une peine finalement commuée en exil. Il quitte le Chili en 1977 et n'y reviendra jamais. C'est en Europe que Luis Sepúlveda rédige son œuvre, devient journaliste, raconte les soubresauts du monde et chemin faisant devient l'une des écrivains majeurs de sa génération. Son roman le plus connu, Le Vieux qui lisait des romans d'amour, est traduit dans une soixantaine de langues et régulièrement étudié dans les collèges français. Son talent de conteur hors pair allié à une pincée de candeur et à son humanité bienveillante faisait merveille dans des récits adressés à la jeunesse comme l'histoire d'une mouette et du chat qui lui apprit à voler. Raconter, c'est résister, se plaisait-il à affirmer. Luis Sepúlveda a cessé de résister à la maladie, et sa voix l'une des plus belles de ce siècle s'est éteinte. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh kiến thức VTV online của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ đưa đến các bạn những kiến thức mới nhất của trong ngày. Và vì dịch Covid-19 hiện tại đang lan rất rộng trên toàn thế giới và nước ta là một trong những nước mà có những mầm dịch được hạn chế nhất. Và hôm nay VTV của chúng tôi sẽ đưa đến cho quý vị và các bạn những tin tức tuần tự và các tỉnh thành, các mầm dịch như sau. Và Yên Mô hiện tại là chưa mắc ca Covid nào 19